Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale dédiée aux oracles de Maria Ange, archange d'amour, et de son frère Amédéolotte. Je vous espère tous et toutes en pleine forme. N'oubliez pas, comme à chaque guidance générale, de prendre de la hauteur, de faire preuve de discernement. Vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. On va donc commencer par l'oracle des sentiments du cœur pour voir quel est le message, de quoi on va parler aujourd'hui. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, la bonne nouvelle, il n'y a pas de message aujourd'hui. Les cartes ne veulent pas parler. Bon. Ah, quand même. Merci. On a le cœur de la boussole. Vous avez besoin d'être guidé. Faites confiance à vos proches, anges et archanges, pour recevoir des conseils. Et le deuxième message, le cœur de la chance. Faites confiance à vos guides, à l'univers, à la vie. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive à vous. La chance sera à votre portée. Restez positif et vous aurez des bonnes choses qui viendront dans votre vie. Donc, on vous dit de garder la foi, de garder l'espoir, de rester centré sur vous et de faire confiance à votre boussole intérieure, de vraiment suivre vos envies, de respecter vos valeurs, de respecter qui vous êtes, de croire en vos rêves. Bon, et on vous parle bien en dos de deck. Il y a quelque chose là qui se profile à l'horizon d'assez vachement sympa. Le cœur d'un bon événement futur. Préparez-vous à accueillir un futur événement qui vous sera nécessaire pour avancer dans votre vie et qui vous fera très plaisir. Dites merci aux anges et archanges pour ce cadeau. Bon, chance, cadeau, boussole. Écoutez, déjà, super message. On va prendre une carte de l'oracle, donc à la recherche du bonheur. Allez, est-ce qu'on peut compléter ce message? Bon, il y a quelque chose là d'assez excitant qui vient à vous. On vous dit, n'hésitez pas, foncez, ouvrez grand les bras là à ce cadeau qui arrive à vous. Vraiment, soyez dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture de cœur. Et on vous dit, ne jugez pas les autres, sinon vous vous retrouverez dans des mauvaises ondes. Donc peut-être, lorsque cette personne là, ou cette situation va arriver, attention au jugement trop hâtif. Prenez du recul parce que vous allez être surpris et surprise. Faites preuve de sagesse. Prenez de la hauteur. On vous dit également de vous tenir à l'écart, peut-être de personnes qui vont vous dire non, mais quand même, fais attention, ou en fait de vous freiner dans l'accueil là de ce cadeau, parce que je sens de la vitalité, je sens de la liberté, je sens de la légèreté. Bon, et en dos de deck, on a le message, un choix devra être fait pour votre avenir professionnel. Donc, il se peut qu'il y ait un choix, qu'il y ait un cadeau dans le domaine professionnel, mais là, on nous parle bien également de quelque chose de très beau qui arrive dans le domaine sentimental.
On va prendre quelques cartes de l'oracle des réponses divines. Donc il va falloir écouter votre intuition dans cette histoire. Écouter votre boussole intérieure. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Ne pas écouter les autres et de foncer. On vous dit, laissez votre cœur vous guider. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc n'écoutez pas ce que les autres vont vous dire. Suivez votre intuition. Bon, là, je ne sais pas ce qui arrive à vous, mais c'est quelque chose vraiment de très beau. Très, très beau. On a l'archange divin avec toi, pour ton bien. On vous parle encore là d'un présent, d'un cadeau, de prendre votre envol. Et on vous dit, il va falloir méditer dans cette situation parce que ça va tellement vous mettre des papillons dans le ventre, vous mettre en joie. Il y a beaucoup d'excitation là qui arrive, qu'il va falloir travailler votre ancrage, hein. Garder les pieds bien sur terre. Waouh. Bon, et en dos de deck, j'ai commencé son projet. Donc, on vous parle bien là d'un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Donc, un nouvel avenir professionnel, peut-être vous avez une idée de projet qui peut-être tardait à venir. Et on vous dit bien dans cette situation, faites confiance au changement. Ce changement là qui est en train de s'opérer en vous et dans votre vie est très bénéfique puisqu'on vous parle bien d'une bonne nouvelle. On vous dit bravo, félicitations. Donc si vous avez pardon, un projet professionnel en tête, on vous dit bien ne lâchez rien, foncez, allez au bout de votre projet, de ce qui vous tient à cœur. La bonne nouvelle, ça peut être donc dans le domaine professionnel, mais également dans le domaine sentimental. Je sens que ça boue, ça vit, ça se réveille. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Cœur de Lune. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, bon, on vous dit à quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un qui vous surveille. Alors, peut-être qu'il y a des vues sur vous. Hein. En tout cas, vous intéressez fortement quelqu'un. On vous parle de la lune brisée. On vous dit, il y a un cycle là qui est en train de se terminer. Moi là, ce que ça me donne comme message, c'est on vous parle de la fin des souffrances pour aller vers le bonheur, pour aller vers la joie. Il y a quelque chose de très beau qui arrive après une période délicate pour vous. Oui, vous vous êtes libéré du passé et vous allez accueillir la nouveauté, ce changement-là, peu importe le domaine, dans votre vie. Et on vous dit, un sacrifice par amour, Jésus est avec toi. Alors, peut-être que vous vous êtes sacrifié par amour pour quelqu'un ou dans le domaine professionnel. Mais là, on vous dit bien que c'est la fin des souffrances, fin des tristesses, fin du sacrifice. Vous pensez à vous, vous allez devenir votre priorité. Le tout, c'est qu'il va falloir vraiment vous écouter. Donc, peut-être prendre pendant quelques temps du recul par rapport à ce que vos proches vont vous dire dans un premier temps. On vous parle là encore d'une communication importante à venir.
Et on vous parle de se ressentir. Là, on a un couple, on a une très forte attraction avec quelqu'un. On nous parle de l'amour étoilé magique. Donc, soit vous connaissez cette personne, soit ça va être une rencontre très forte, très très forte, hein. J'ai envie de dire très magnétique. On va continuer avec l'oracle, donc Marie-Ange d'Amour. D'amour, pardon. Allez, quel est le message? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce cadeau, sur ce très bel événement futur qui arrive à vous? Bon, en plus, on vous dit, on vous guide vers la bonne personne. Jésus vous guide vers la bonne personne. Là, on vous envoie la bonne personne qui va être très importante dans votre vie. Ouf, bon, on vous parle, hein, de grandes émotions à venir, d'amour, de ressentis très magnétiques. Il va y avoir, alors on donne le mot romantisme, de la complicité. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Alors, il y en a une qui a volé. Après un éloignement, après une rupture, donc soit vous sortez d'une ancienne relation qui a été difficile, mais aujourd'hui vous êtes guéri, vous êtes prêt pour cette nouvelle rencontre, soit il y a eu un éloignement ou une rupture momentanée avec cette personne qui revient, qui est la bonne personne. Bon, on vous parle de projet à deux, de déménagement, de changement d'endroit. Non, elle ne s'est pas retournée. Et on vous parle d'énergie tierce, mais pour moi, c'est la fin des énergies tierces, que ce soit de votre côté ou de la personne de votre cœur. Bon, ça va être chaud, 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 hein. Ça va être le showtime, hein. On vous parle de désir, de passion. Vraiment, ça va être très, très fort là, ce qui arrive à vous. Très, très fort. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir rester ancré, ne pas hésiter à vivre pleinement là ce qui arrive à vous, parce que ça en vaut le coup, hein. Bon, et on vous dit bien que cette personne, elle vous observe. Alors, soit c'est quelqu'un que vous croisez ou que vous connaissez déjà ou qui vous observe sur les réseaux sociaux. Bon, on nous parle d'âme sœur flamme jumelle. Donc, c'est quand même là une relation qui est très forte, très, très forte. On va prendre quelques cartes de l'oracle des âmes éternelles. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah, moi je vous le dis, hein, il va falloir rester très 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 ancré, hein, et méditer, hein. Travailler le centrage, l'alignement à fond, à fond. Alors, on vous parle de foudre divine, de karma, de lien karmique. Alors moi, c'est pas ça ce que je ressens. Pour certains, là, cette rencontre, elle va vous bouleverser, vous chambouler. On peut même parler d'un véritable coup de foudre, hein. On vous dit que ça peut arriver lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'une sortie. Bon, on vous parle bien que vous avez un lien avec cette personne, puisqu'on vous parle de famille d'âme, d'amitié. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok. Allez, on va peut-être en prendre une autre, une dernière. Bon, vous me direz, le printemps arrive dans quelques jours. Plus,
Donc l'équinoxe de printemps plus la nouvelle lune. Bon, avec la terre-mère, Gaïa, on vous parle encore d'ancrage. On vous parle là de réalisation, de concrétisation dans la matière. Donc on vous confirme bien que c'est en train d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Et on vous parle de nouvelles, de communication. Ouf. Bon, vous allez trouver votre moitié. Hein. On vous parle là d'union sacrée, d'union destinée. Et on va terminer par quelques messages de l'oracle, la rose de Maman Marie. Allez. Quel message ? Bon. Ok. Ok. Alors, on vous parle de la fin d'un état, d'un grand changement, d'une période de transformation. Un comportement, un état d'être prend fin, c'est une transformation de soi. On vous dit très bientôt, très très bientôt, c'est là. Reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de méditation, d'ancrage. On vous parle d'amour, d'un mot d'amour. Pour certains et certaines, ça va être peut-être une déclaration d'amour. Les mots d'amour qui traversent ton âme et ton cœur sont là pour te faire découvrir le vrai sens du verbe aimer. Et en dos de deck, communication spirituelle. Donc, il y a une très forte connexion avec cette personne. Donc, lien d'âme, très forte télépathie, très fort ressenti. Vos âmes communiquent. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne, de ressentir ses énergies. Donc, je vous souhaite ce très beau retour ou cette très belle rencontre. Et ne vous posez pas 10 000 questions, mais juste vivez l'instant présent, vivez cette histoire, parce que de toutes les façons, elle est ordonnée par la source, par le divin. Alors, ouvrez grand votre cœur à l'amour. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. J'espère que cette guidance concernera le maximum d'entre vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye !